Il est parfois difficile de différencier le culte et le classique. En soi, les deux partagent cette même fascination de la part des spectateurs. Cette idée que l'œuvre en question est atypique, sorte de l'ordinaire, marque l'esprit, que ce soit instantanément à la sortie de la salle ou que ce soit sur le long terme, après y avoir songé, après avoir médité et pensé à ce que la dite œuvre nous avait fait ressentir et nous avait transmis lors de son visionnage. Au fond, les deux ont le même statut, celui de récit intemporel, celui de moment marquant. Mais là où l'on a tendance à considérer l'un comme très subjectif, le culte, on voit dans l'autre une forme d'aura qui le met sur un piédestal, sur un petit podium duquel il est absolument intouchable et où l'on ne pourra jamais réellement remettre en question son statut. Mais il est également important de dire que même si un classique peut marquer les esprits et s'imposer comme tel, il n'est jamais interdit de le remettre en question, de se demander si son statut n'a pas besoin d'être revu et d'être réévalué lorsque l'on finit par le remettre en perspective avec son époque comme certains ont envie de le faire avec Autant en emporte le vent par exemple. Et là, on est sur du classique extrêmement subjectif, mais qui me semble évident. On est sur l'œuvre majeure d'un cinéaste de génie. Le genre de réalisateur qui passionne les foules, qui rassemble face à un écran, un metteur en scène qui possède son univers, qui possède sa logique de création, sa manière atypique de boire le cinéma, d'en faire un joli cocktail préparé avec amour pour le spectateur, et de rendre cela sur la toile vierge d'un écran de cinéma avec le plus de plaisir possible. Avec son deuxième film en tant que réalisateur, Quentin Tarantino pose l'essence même de son cinéma. Pose ce qu'il aime, ce qui le passionne, ce qu'il a toujours emporté au fil de son travail de scénariste et qui ici, en tant que metteur en scène, il peut poser comme bon lui semble, afin de donner lieu non pas uniquement à une œuvre fascinante mais surtout à une œuvre complète. Certainement la plus complète de sa filmographie à ce jour, représentant son amour des personnages, son envie profonde de passionner, de fasciner, d'emporter le tout à l'époque, saluée par une flopée de prix et par une envie dévorante de divertissement de la part des spectateurs qui ont suivi son geste. Alors suivons cette mallette se balader de main en main dans ce récit complètement fou qu'est Pulp Fiction. C'est le seul scénario que Quentin Tarantino a coécrit de toute sa carrière. Tarantino a toujours été un grand solitaire, c'est évident, et cela se ressent encore plus aujourd'hui. Mais à l'époque, son travail avec Roger Avary a donné lieu à ce groupe fou d'histoires entremêlées et décortiquées par le temps et l'espace, jouant avec les genres, passant avec jeu et plaisir du thriller pur, vers la réplique cinglante, en oscillant avec la comédie, avec le film romantique maladroit, et l'aventure faite de courses-poursuites et de rencontres surprenantes. La grande maestria de ce script est de ne jamais se reposer sur une manière simpliste et un peu trop fermée de concevoir le 7ème art, mais au contraire, de jouer avec l'idée de cinéma, de passer son temps à imprégner une certaine idée par le biais des personnages, des situations, des échos que se font les scènes les unes aux autres, de ce qu'est le cinéma, soit beaucoup de folie, dans un peu de sérieux, avec une bonne dose de fun, de dérision, de décalage aussi, et constamment, cette créativité dans le dialogue qui peut sembler commune, mais qui transpire une folie de chaque instant, qui marque profondément notre manière de concevoir le rapport entre deux protagonistes dans un lieu qui pourrait sembler particulièrement commun. La folie et le génie réunis dans un duo d'auteurs. Si son premier film était très bon, là, c'est tout puissance 1000. Au cœur de son œil de réalisateur, de sa logique de composition, de ses mouvements, de ses cadres, de son ambiance, de sa cinéphilie omniprésente à l'écran dans le rationnel des héros et dans l'enchaînement des situations, Quentin Tarantino ne fait pas qu'infuser ce qu'il aime dans le cinéma. Il le décante, le laisse doucement imprégner l'ensemble de la salle pour enivrer le spectateur et le plonger dans son univers. Ce film à sketch n'est pas que le récit éparpillé et déglingué d'un ensemble de protagonistes éclatés que le metteur en scène rend simplement cool. C'est aussi une immense aventure de cinéma où chaque plan se joue des attentes du spectateur, convoque des références, les laisse apparaître, mais jamais trop pour que l'on ait l'impression que ce soit simplement un plagiat, car c'est beaucoup plus que cela. C'est ce dont on rêve tous en fait. Cette idée que l'on puisse se servir de ce que l'on a vu pour créer quelque chose de neuf, quelque chose de différent, mais qui montre par là même que l'on aime le cinéma. Et c'est cela Pulp Fiction, c'est une lettre d'amour au cinéma, dans tous les sens possibles. Une lettre que l'on peut relire 1000 fois et y trouver 1000 détails. Si l'on connaît toutes les répliques de ce film par cœur, on en connaît également toutes les musiques. Qui dit film ayant marqué toute une époque dit forcément bande originale culte. Et dans le genre, Tarantino ne lésine jamais sur la qualité de ses morceaux accompagnant ses œuvres. Et Pulp Fiction est sans le moindre doute l'une des plus cool et des plus géniales bandes originales de l'histoire du cinéma, sans avoir un seul morceau ayant été composé spécialement pour le film. Simplement une playlist dictée par les personnages.
Il est complexe de faire en sorte qu'une musique accompagne parfaitement un film, lui donne le bon ton, la bonne ambiance, le bon reflet émotionnel pour faire en sorte que l'on garde en tête un peu plus que deux ou trois notes de musique. Et dans le genre, Quentin Tarantino offre cela avec cet instant absolument parfait de tube, compile magnifique de ce que le cinéma peut avoir de plus merveilleux, ce mélange des tons, des couleurs, des émotions et des références, accompagnant chacun à la perfection une série d'actions sublimées par des artistes aussi géniaux que Kool & The Gang, Chuck Berry, Al Green, Dick Dale et autres perfections musicales. Un objet culte que l'on a tous déjà eu soit entre nos mains, soit dans nos oreilles. Un précurseur de l'alignement des étoiles sur Hollywood Boulevard. Difficile de ne citer qu'un acteur dans un ensemble qui a marqué une génération. Une bande de génies au service d'un autre, une troupe d'acteurs dont certains deviendront des récurrents chez le cinéaste et où d'autres feront simplement un passage éclair. Mais quel passage et quel éclair, franchement. John Travolta est impérial et charismatique. Uma Thurman est légendaire et solaire. Samuel Jackson est aussi culte et classique que l'ensemble de la filmographie de Tarantino. Tim Roth et Amanda Plummer forment un duo aussi légendaire que l'introduction du film. Ving Rhames est juste iconique en Marcellus Wallace. Rosanna Arquette et Eric Stoltz sont fantastiques également et charismatiques. Sans compter Christopher Walken et Harvey Keitel, tous les deux flamboyants à l'écran dans des scènes tout aussi cultes. C'est un casting fou qui accompagne un film fou pour un moment d'acting et de composition à l'écran qui donne une patine particulière à ce moment de cinéma qui n'est clairement pas comme les autres. Légendaire est un mot qui convient à la perfection pour définir ce casting. Comme beaucoup, j'ai découvert Tarantino avec ce film. Et bien sûr, juste après, je n'ai pas pu m'en empêcher, je me suis rué sur l'ensemble de sa filmographie pour la dévorer et trouver le cinéaste de mon adolescence. Le mec qui me faisait comprendre que derrière une image, derrière un personnage, derrière un placement de caméra ou une musique, pouvait se cacher une influence, un désir profond de rendre hommage et d'interroger le spectateur. Encore aujourd'hui, Pulp Fiction est l'œuvre qui m'a fait aimer Tarantino et qui me rappelle à quel point il est un grand auteur et si par la suite j'ai eu d'autres coups de cœur avec lui, j'en reviens toujours à ce long métrage, à cette mallette, à ce mystère, à ce couple dansant au milieu d'un restaurant, à cette montre oubliée dans un vieil appartement, à ce mec couvert de lycra planqué dans une cave façon moyenâgeuse. Bref, s'il est évident que l'on peut aimer et être passionné par la filmographie complète de Quentin Tarantino, c'est avec Pulp Fiction qu'il a acquis le statut de réalisateur culte et ce film de classique quasi instantané. Un classique qui fait du bien et qui dépoussière un petit peu cette émission.